Nous arrivons bientôt au terme de cette matinée de brass band avec la division 3, le 18e championnat national de brass band organisé par la CMF bat son plein. Et pendant la pause, on pourra même prendre le temps d'aller voir nos différents partenaires. Ils sont très nombreux, c'est pour ça que vous aurez une grande pause. Pour pouvoir reprendre à 15h cet après-midi avec la deuxième division. Et donc ce message s'adresse aussi aux nombreux internautes. Au dernier sondage, on était plus de 2000 connexions. 2000 personnes sont venues ce matin faire un tour sur le site Digistil pour suivre la compétition. C'est le plus gros score pour la troisième division depuis que nous transmettons ce championnat. Donc... Oui. On leur souhaite la bienvenue quand même aussi aux internautes. On leur fait un petit coucou. Et on leur dit à 15h tout à l'heure pour la suite des événements, pour la deuxième division. Donc je compte sur vous pour les personnes qui sont ici pour aller faire un tour sur les stands de nos partenaires. Hein, Bergerot, Buffet Crampon, Yamaha, Adams, Algam, Stern, Artivan, l'Atelier des Cuivres, Barney Shop, Digistil et le Crédit Mutuel. Pour les membres de jury, les pièces qui vont être interprétées, ils vont préparer les partitions, on entendra pour commencer l'imposé, Lake of the Moon, Kevin Hooban, puis en pièce au choix, Viking Age de Thierry Deleruyel. Accueillons sans plus attendre le sixième et dernier brass band de cette matinée, s'il vous plaît. On accueille maintenant son directeur musical. Pour écouter ces deux interprétations de Lake of the Moon puis de Viking Age, jury, êtes-vous prêt? Thank you.
Monsieur Chiché, bonjour. Oui. Donc vous êtes. Bonjour monsieur. Bonjour. Et bienvenue ici à Saint-Étienne, parce que là on voit que vous êtes ici pour votre premier concours. C'est le premier, exactement. Oui. Alors qu'est-ce qui a fait que C'est que notre brass band existe depuis 10 ans, un peu plus même, presque 12 ans maintenant. Et que on organise des projets dans notre département. Et puis, c'était l'occasion aussi de rencontrer des gens, de pouvoir nous confronter aussi à d'autres brass bands, parce qu'en fait, on ne connaît pas trop notre niveau. Et puis, ce genre de rencontre, c'est extraordinaire, parce qu'on a toute la famille des cuivres. Et voilà, c'est rencontrer des gens qu'on n'a pas vus aussi depuis très longtemps, et de jouer devant un public, se mettre un peu de stress aussi, parce que c'est un concours. Et voilà, donc en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir venir jouer à Saint-Étienne. Comment s'est passée votre préparation ? Alors la préparation s'est faite à partir de septembre. On a essayé de faire une répétition toutes les deux semaines. Mais comme tous les brass bands, c'est toujours difficile d'avoir tous les musiciens à chaque répétition. Mais voilà, je crois que les musiciens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. On a beaucoup travaillé. Ça nous a permis de mettre en place des méthodes de travail qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et voilà, donc c'est vraiment une très belle expérience en tout cas pour nous et pour le brass band de Charente. Oui, alors justement, comment avez-vous choisi la pièce de Thierry Deluriel ? Parce qu'on remarque que beaucoup de brasses choisissent ce compositeur-là. Alors nous, dans notre brass band, on a quelques musiciens anglais qui nous ont apporté leur expérience de brass band, puisque eux, ils sont à l'origine de ces formations-là. Et on s'est concerté, et puis pourquoi pas prendre aussi un compositeur français ? En tout cas, on vous souhaite bonne route, en vous souhaitant aussi que ce ne soit pas le dernier concours, que vous puissiez en refaire encore beaucoup. C'est une belle expérience pour nous et je crois qu'on reviendra, effectivement. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Je repars par là. Ouais.